Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos aquí en Bunker con André Quiñones, nuestro barman de confinamiento, que seguimos con él después del confinamiento para que nos anime las noches del jueves. Y como es habitualmente, hoy vuelve con un invitado, Silvén, del Bar Bohème. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Cómo vas, Joan? ¿Bien, bien? ¿Qué tal está esta primavera lluviosa después del confinamiento? Quiero sol y salir a tomar cócteles. O sea, quiero ir a disfrutar de ese rooftop que tiene Bohème. No puedo más. Ahora que podemos salir, tenemos que estar dentro de casa porque solo hace que llover. Es impresionante. Es cierto, totalmente. Bueno, totalmente. Bon, Sylvain, avec toi, il faut revenir en français, alors. Ah ouais, ça va être plus dur. En espagnol, je peux encore ça. Oh, t'inquiète, il n'y a pas de souci, on s'adapte. Sylvain, tu viens d'où? T'es connecté d'où? Ben là, je suis sur Bordeaux depuis 8 mois et je travaille au Bohème. D'accord. Moi, je suis... D'accord, c'est ton collègue de travail alors, Andrés. C'est ça, ouais, c'est mon chef. Ok. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait, Jordi, comme cocktail? Ok, ouais, aujourd'hui, on va parler du vin fortifié. On va faire du cocktail avec du vin de Porto. Et ça s'appelle Porto Vin. Et c'est un vin apéritif et avec beaucoup de goût d'épices, un peu de sucre. C'est vraiment intéressant pour travailler. Donc aujourd'hui, on a choisi ça parce qu'il vient l'été. Donc on va faire des cocktails un peu frais avec, pour le soleil et tout. Hein. Et donc pour le moment, on va commencer avec de Sylvain. Sylvain nous va présenter son cocktail. Donc, vas-y, Sylvain. Ouais. Alors, allez, vraiment, qu'est-ce que tu nous fais de beau, Sylvain? Enfin, j'ai appelé le cocktail le Porto Perro. Donc, ça va être un cocktail sucré, léger, facile à faire avec des produits de la maison. Donc, on prend un tumbler, on remplit de glace pour commencer. Tu vas utiliser quoi comme produit pour le faire? Hop. Alors. Bah, du Porto déjà pour commencer, je vais en mettre 6 centilitres. D'accord. Après, je vais utiliser de la un sirop que j'ai fait avec de la confiture de fraises. Donc, pour 100 ml d'eau, j'ai mis 70 de sucre et 2 cuillères et demie de confiture de fraises. D'accord. Pour donner un petit goût fruité et léger. Je mets 2 centilitres. Une petite pointe d'acidité avec 2 centilitres de citron. Ok, j'imagine que tu l'as pressé tout ça avant de commencer, hein, parce que tu vas digi. C'est bien, vous avez fait bien la mise en place. La mise à, comment ça dit la mise en place. La mise en place. Ouais, des fois je me confonds avec la mise à jour de l'espace de design, tu vois. La mise à jour, la mise en page, la mise en place. C'est bien, c'est bien. Alors, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, vas-y. Et après, j'ai pris une petite infusion que j'ai trouvée au Palais d'été à Bordeaux. J'ai une infusion, elle s'appelle Jardin sous la tonnelle, avec fleurs de mûrier, de la menthe, de la fraise, et que j'ai gazéifiée avec de la soda stream, qui va donner un peu de peps au cocktail. Et ça va être en fait un cocktail très léger, très fruité. Hop. On top, on remue un peu. Ça, c'est pas besoin d'utiliser des checkers. Une petite paille et un petit citron déshydraté pour la déco. Et voilà, tout simple, tout fini. Bravo Sylvain, c'est merci. Délicieux, hein. Sylvain. C'est que délicieux. C'est clair. En plus, la paille que tu as mise, c'est recyclable, c'est ça? C'est écologique. Les pailles en plus, oui. D'accord, ok. Ben voilà, tu vois, on est éco. Même pour les cocktails, on est éco. On est bien, on est des personnes qui regardent les planètes. Bon, mais André, c'est cool, là, c'est cool. Que tu nous amènes, Andrés? Ok. Avant de commencer, on veut connaître pour Sylvain. Donc, Sylvain, tu nous vas raconter d'où viens-tu exactement, tu fais quoi dans ta vie, et tous nos spectateurs te voient déconnaître un peu. J'ai 31 ans là maintenant, je commence à devenir âgé. Je travaille au Bohème à Pessac avec le chef Andrés. Et autrement, moi, je suis sur Bordeaux depuis 8 mois. Mais autrement, moi, je suis un Breton. Je viens de Rennes à la base. Donc, voilà. Et pour l'instant, ça va dépayser avec le temps bordelais. Donc, tout va bien. On va profiter de ce temps-là. OK, donc, je vais partir sur mon cocktail. Et comme d'habitude,
on a cherché un bel verre. Un bel verre que ça, il a la forme d'une petite fleur. Ouais. Et pour l'équipement du bar, mais comme d'habitude, une petite cuillère pour prendre les glaçons. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Une baguette. Une ouais. baguette de, pour manger de Thai food. Ouais. Et on va remplacer les jiggers pour un petit shooter pour faire la quantité de notre cocktail. Notre cocktail sera directement fait, fait directement sur les verres. Ouais. Donc on va voir et je vais ouvrir ça. De nouveau la bouteille. Et alors Sylvain, comme il est André comme un chef, il est bon ou pas? Ouais, c'est super, ouais. Ouais, tu m'as dit quoi? C'est pas possible, il faut que tu les taquines un peu. T'as le temps, maintenant tu peux les balancer. Elle sait qu'elle ne peut dire rien. Tu fais le bar d'intérieur ou le bar d'extérieur? Là, intérieur pour l'instant. D'accord, ok. Et comment tu es arrivé dans le truc de la cotellerie? Pardon? Comment tu es arrivé dans le métier de la cotellerie de barman? Moi, à la base, j'étais électricien. Ouais. Et en fait, je suis passionné par le bar et j'ai commencé par la petite porte au début, un petit bar à Rennes où je nettoyais les verres, je coupais les citrons. D'accord. Et puis petit à petit, monter. Après, je suis parti en saison, puis je suis revenu. Okay. Et j'ai vu l'annonce pour le Beauvais, mais j'ai regardé la carte des cocktails, j'ai fait oh, je veux travailler là-bas. Et puis j'avais fait en essai alors que j'habitais encore en Bretagne, je suis revenu une journée pour faire l'essai, je suis reparti. Ouais. Et après, ça s'est fait, j'ai déménagé quoi, un mois après. D'accord. Et là, il y a 8 mois. Pour tu as vu l'histoire qui est électricien et elle veut être électricien des les boissons aussi. Ouais, j'ai vu ça. Il a eu la connexion, mais avec le whisky. Mais c'est bien, c'est bien. Ok. C'est cool. Oui, c'est franchement, c'est travailler avec Sylvain, ça fait du bien toujours. C'est hyper, hyper cool et hyper responsable aussi. Sylvain, il faut la noter que c'est le chef qui débalance. Parfait, ok. Alors, ton cocktail, qu'est-ce que tu as là-bas, la petite bouteille qui est à côté de Porto? Ok, je vais présenter les ingrédients. On a cherché un Porto Tony. Ouais. C'est un porto âgé entre 7 et 9 ans. Ouais. Et ce porto, c'est un petit spécial parce que ça, c'est ça, le fou que fait le vieillissement. Mmh. Et il apporte de gouda fruits secs et ouais. orange. Et il a aussi un côté tannique. Donc, ça, c'est très, très intéressant ce type de porto. C'est mon préféré. C'est mon préféré, franchement. D'accord. Et à côté, on a un vermouth français qui s'appelle la Quintine. Mm-hmm. Et on a choisi le blanc pour diminuer la quantité de sucre dans notre cocktail. Et il va toujours être apéritif. Et on a fait un petit cordial de citron. Ok. Oui, pour rafraîchir. Les personnes qui ne connaissent pas, c'est quoi un cordial de citron? Cordial de citron, c'est simple, c'est un sirop concentré. D'accord. De citron. Ok. Et donc, en ce cas, les choses que j'ai fait, c'est mis d'eau, de sucre, de zeste de citron, d'acide citrique, un peu, pour balancer comme les sucres et les agrumes. D'accord. Et c'est ça, après tous les filtres, c'est tout. Avec okay, un passoir, avec un passoir textile, ça fait bien. Et c'est okay. ça, c'est un joli couleur, tu vois. Ouais, ouais. C'est hyper concentré, hyper, hyper, hyper citronné. C'est ok, d'accord. Okay. Donc, ok, on va partir sur notre cocktail. Et j'ai fait deux petites boules de clear ice maison. Ouais. Ouais, ça c'est joli, hein. Ouais, ouais, c'est bon, hein. C'est vrai, hein. Ouais. Ok, on va mettre 45 millilitres de vin de Porto Tony. Ok.
on va mettre 10 ml pour ajouter un peu de les épices et raisins qu'il y a dans la quintine. C'est un de mes préférés vins fortifiés français. C'est hyper bon. D'accord. Et on les va ajouter pour la fraîcheur 5 ml de notre cordial maison de citron. Ok. C'est ça. Ok. Alors, on va remouiller avec notre paille, notre baguette de Thai food. Ça, c'est quoi? C'est un apéritif de la journée? C'est pour la nuit? Ça, il ne porte pas? Et ça, c'est normalement un apéritif. C'est avant de manger. D'accord. Et ça, c'est fait pour ça. Mais ce type de cocktail, mais tu peux boire quand tu veux, dans le matin, dans si tu veux, avec les bras. Oui. Ce matin, j'étais avec les chefs, je te dis que les chefs, on ne les voit pas, mais des fois, tic, pour le matin. Okay, on va goûter notre cocktail, Sylvain, parce que franchement, on ne peut laisser comme ça. Ok, ben les gars, santé alors, et merci pour ce moment aussi de partage. Et maintenant, on sait qu'il faut aller à Beauvais. On a ici la moitié de l'équipe, je pense. Il y a combien de personnes à Beauvais qui travaillent dans les bars? Non. Qu'est-ce que tu as dit? Tu peux répéter? Combien de personnes il y a à Beauvais dans les bars? Ah, au bar. Nous sommes pour le moment 3. Parfois, nous sommes 4. Et on attend que le confinement soit totalement ouvert, qu'on ouvre tous les restaurants. Et comme ça, on va être 4-5 personnes peut-être. D'accord, alors ça veut dire que tous les deux cocktails, on peut aller à Beauvais et les goûter. On a ici les barman de Beauvais. Bien sûr que oui. Bien okay. sûr. Mais allez, tu dois devenir parce que toujours on fait des cocktails et tu jamais bois rien là. C'est vrai, ça c'est vrai. Bon, les gars, merci beaucoup. Merci encore une fois. On se voit la semaine prochaine, Andrés. Par un moment, je vais te changer le nom, mais non, Andrés. Et on attend de t'inviter aussi de la semaine prochaine. Merci, les gars. Bonne continuation et bon week-end qu'on commence aujourd'hui. À vous. Okay, ciao. Ciao.